I'm not afraid to die.
dans sa poche. Thank you.
ce privilège, Père. S'il y a un endroit, Seigneur, qu'on aimerait être, c'est dans cet endroit, Seigneur. Car nous sommes dans l'expectative, Seigneur, que toi-même, tu viendras nous parler. Seigneur, mets l'homme de côté, Seigneur, et que toi-même, tu puisses prendre la dominance. Viens, Seigneur, parle aux âmes, Seigneur. Nous avons entré saintement, et tout ce que nous allons faire ici, dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus. Je vous salue dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour la présence de l'épouse du pasteur Jean-Claude. I thank the Lord for the presence of the bride of Pastor Jean-Paul. Nous sommes heureux de t'avoir parmi nous. We are happy to have you among us. Sois la bienvenue. Be welcome. You're welcome. Ton épouse est un véritable ami à moi. Your husband is a true friend of mine. Je l'aime beaucoup. I love him so much. Et j'aime beaucoup votre famille. And I love your family. En tout cas, nous sommes bénis par ta présence. La sœur aînée. La sœur aînée, oui, je connais. Pour moi, c'est la première fois de voir. Mais c'est très facile. Le frère Prince, vous la connaissez, non? Ouais, la connaissez, mais pas du tout. Pas du tout. Mais d'accord, vous connaissez. Ah oui, vous la connaissez. La sœur aînée, c'est la sœur de Pasteur Oscar. Ouais. C'est Oscar. Le mot du message est très petit. Quand vous êtes là, on fait du message, ne commencez pas à critiquer l'autre. Donc, c'est la tante de Clémence. That's our Clemens' auntie. Tous ces enfants. And all that. Les enfants que vous voyez, ce sont les neveux, les nièces du frère Oscar. And we see that the niece and of brother Oscar. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Be welcome. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre Ephésiens chapitre 5. Without blame, we're going to take Ephesians chapter 5. Verset 22. Chapter 5, verse 22. Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Bible says, wife, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme tant-elle. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and the two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Amen. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Amen. Jésus-Christ. Amen. Pour que ce soit qu'il est, Seigneur, bénis. Merci, Seigneur, de l'ordre d'assurer. Alors aujourd'hui, je vais continuer avec le mystère épouse. And today, I'm going to continue with the mystery bride. Comme j'avais dit, c'était le cinquième mystère, la mystère qu'il a dit. As I say, it was the fifth mystery in the message. Là où le frère Branham dit que le cinquième mystère, c'est le mystère de l'Église en tant que épouse de Christ. Oui, Brother Branham says the fifth mystery is the mystery of the bride as the church. The church as the bride of Christ. Amen. Et le frère Branham a donné Ephésiens 5. And Brother Branham gave Ephesians 5. Amen. Comme je l'ai dit, as I said, que tout le monde utilise ces passages pour parler de mariage. Everyone uses these verses to speak of marriage. Pour parler de mariage partiel. To speak of a temporary marriage.
Je ne dis pas que c'est un faux mariage. I'm not saying it's a false marriage. Mais ce sont les mariages partiels. They are temporary. Parce que si l'homme meurt, because once the man dies, la femme reste veuve. The wife will remain a widow. Si la femme meurt, or if the wife dies, le mari va rester veuf. So is the husband. Il va aller chercher une autre femme. He's going to find another wife. Ou bien elle va aller chercher une autre. Or she can go and find another husband. Donc c'est un mariage temporaire. So that means it's a temporary marriage. Le véritable mariage, the true marriage, c'est ce que la Bible dit. It's what the Bible says. Il dit que ce mystère est grand. He says this mystery is great. Pourquoi est-ce que Paul le dit? Why is Paul saying? Il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. He says I'm saying this concerning Christ and the church. On a parlé de Adam et Eve. We spoke of Adam and Eve. On a montré comment c'est Eve était Adam. We saw how Eve was Adam. Quand Adam était là, when Adam was there, Eve aussi était là. Eve also was there. Mais elle existait comme étant une nature. But she existed as a nature. Elle était en Adam. She was in Adam. Qu'est-ce que Dieu a fait pour amener Eve? What did God do to bring? Il prend simplement une nature qui était en Adam. He only takes a nature that was in Adam. Il le met à côté. He put it aside. Et c'est ce que nous appelons Eve. And that's what we call Eve. La femme d'Adam. The bride of Adam. Donc Eve n'était rien d'autre que Adam. Eve was nothing else than Adam. Amen. Pour Dieu, Eve s'appelait Adam. For God, Eve was called Adam. Et pour Dieu, nous sommes Jésus Christ. And for God, we are Jesus Christ. Donc, quand nous cherchons Jésus, when we're looking for Jesus, c'est l'épouse, c'est le bride. Quand nous cherchons Adam, when we look for Adam, c'est Eve. Amen. Donc c'était carrément la même personne. It was exactly the same person. Nous sommes le même matériau que Dieu. We are the same material as God. Et si l'épouse comprend cette position, and if the bride only understands that, elle ne va pas à pleurer. She will not cry. Amen. Comme je l'ai dit, as I said, quand Jésus a arrêté le soleil, when Joseph stopped the sun, il n'a même pas prié. He didn't pray. Il a parlé. He spoke. Et la même puissance qui est dans Jésus. And the same power that was in Joshua est en nous. In us. Donc nous avons une puissance créatrice. We have a creative power. Les malheurs pour Satan. Les malheurs pour Satan, c'est que Dieu nous a envoyé frère Branham. The worst thing of Satan is Babylon. God sent us Babylon. Donc le frère Branham est le véritable ennemi de Satan. Babylon is the true enemy of Satan. Amen. Yeah. Quand Satan est venu, when Satan came, il a pris les gens dans les églises. He took people in the churches. Les gens allaient à l'église. People going to church. Ils passaient être des croyants. They thought being believers. Quand le frère Branham vient, when Babylon came, il est le véritable ennemi. He said the true enemy of God. L'église. The church. L'église s'oppose à Dieu plus que les bars. The church opposes themselves to God more than the bars. Donc s'il y a les esprits méchants qui existent dans les églises. If there are evil spirits that existed, they are in churches. Vous allez remarquer que you will notice that les gens des églises, people of churches, ils parlent moins en bien des gens. They speak less good of people. Une seule faute. One mistake. Ça efface tout ce que vous avez fait de bien. It will destroy everything that you did good. Amen. C'est comme il y avait un frère qui avait donné un exemple ici. There was a brother that gave an example here. Il prend une feuille blanche. Une feuille blanche. He takes a white or piece of paper. Il met un point là. He put a dot there. Il demande aux gens. He asks people. Qu'est-ce que vous voyez? What do you see? Les gens disent que nous voyons un point noir. People say we see that dot, black dot there. Donc la vie de papier, c'est tout ce qu'ils ont vu. He said the whole paper, that's the only thing you see. C'est ça la vie. He said that's life. Amen. Amen. Quand Jésus regarde, when Jesus looks, lui il regarde autrement. He looks differently. Mais les humains quand ils regardent, a human being when they look, les gars c'est des apôtres. They look what people produce. Mais si Jésus était un membre de l'Église, brother, if Jesus was a church member, la femme au puits, the woman at the well, serait en fer, would be in hell. Si Jésus était un membre de l'Église, if Jesus was a church member, tous les pasteurs de synagogue, all the pastors in the synagogue, ils seraient au ciel. They would be in heaven. Quand Jésus est venu, when Jesus came, il a fait comme Jacob. He did like Jacob. Il a croisé les mains. He crossed his hands. Amen. Les religieux, the religious, c'est Satan. Was Satan. Amen. Amen. Démonologie. Domaine de l'esprit. Demonology, spiritual domain. Lisez ça. Read it. Un jour je vais prêcher sur la démonologie. One day I'll preach on demonology. Parce qu'il y a le domaine physique. There is a physical domain. Et le domaine religieux.
religieux. And religious domain. C'est la démonologie. It's demonology. Oh, la démonologie. The demonology. C'est les démons. It's demons. Les gens là. Those people. Les religieux. Those religious. Ils ne sont là que pour combattre la parole de Dieu. They are only there to fight the word of God. Ils aiment beaucoup la place de Frère Branham. They love so many places. Frère, si vous voyez quelqu'un commencer à prendre la place de Frère Branham, c'est que ça taille sur vous. If Amen. Amen. Alors si on commence à prendre la place de Frère Branham, now if we start taking the place of Brother Branham, then we are envahi par les démons. We have been taken by the demons. Donc ce mystère est grand. So this mystery is great. Pourquoi est-ce que Frère Branham dit cela? Why is Brother Branham saying that? C'est par rapport à Christ et à l'Église. It's according to Christ and the church. Donc l'Église doit comprendre. The church has to understand. Quelle est une épouse? She's the bride. J'ai toujours dit. I always say. Si dans ma maison, if in my house, mon épouse commence à me demander, my wife starts asking, chérie, est-ce que je peux démarrer la machine à laver? Honey, can I start the washing machine? Est-ce que je peux démarrer la télé? Can I turn on the TV? Donc je dirais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. I will say there's something wrong in her head. Et il n'a pas à demander. She doesn't need to ask me. Amen. Amen. C'est son droit. It's her right. Donc toutes ces personnes tournent vers moi. All her needs turns around to me. Donc si elle a l'argent, if there's money, c'est pour nous tous. It's for all of us. Je vais aller travailler seul. À un moment tu vas alors. Mais mon argent c'est pour la famille. My money is for the whole family. Amen. Amen. Parce qu'elle est moi. Because she is me. Elle a le même droit que moi. She has the same right as me. Et personne n'a le droit de la toucher. And no one has the right to touch her. C'est comme ça l'épouse. That's how the bride is. L'épouse, the bride, quand elle est malade, when she's sick, elle va demander à Dieu, she va ask God, Seigneur, guéris-moi. God, mais il va te guérir pourquoi? Why is he gonna heal you for? Non, prends la guérison toi-même. Take the healing yourself. Réprimande Satan. C'est un cas où il s'est dit, rebuke Satan. Réprimande Satan. Rebuke Satan. C'est toi qui as la maladie. You are a demon of sin. Come on. Même si vous ne dites pas au nom de Jésus, even if you don't speak in the name of Jesus, il va partir. He will go. Parce que Josué n'a même pas dit au nom de Jésus. But Joseph said, if Joseph didn't see the devil. Dis-moi, ça veut dire chasser un démon de maladie. Tell me, between causing a devil et arrêter le soleil and stopping the sun, qu'est-ce qui est le plus difficile? Which is the most difficult? C'est facile. It's quand Moïse when Moses était devant la mer, was in front of us, les gens were screaming. People was screaming. Oh. Mais Dieu regarde Moïse. God look at Moses. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? He said, what's going on? Oh non, les peuples. All the people. Il dit, mais Moïse. He said, Moses. Je ne comprends pas. I don't understand. Mais parle. Speak. Pourquoi vous tournez vers moi? Why are you looking at me? Je vous ai déjà tout donné. I've already given you everything. Mais vous continuez à me demander. But you say, ask me. Oh. L'épouse de l'âme de Moïse. She's still sleeping. Elle est en train de dormir. She's sleeping. Si elle comprend ce qu'elle est, if she understands who she is, donc l'épouse doit comprendre qu'elle est le Dieu puissant. The bride has to understand that she's the Almighty God. Le Dieu tout puissant. The Almighty God. C'est ça l'épouse. Oui. That's the bride. Soon the world will see me no more. Pourquoi est-ce que le monde te voit? Why would the world not see me? Parce que je serai avec toi. Because I'll be with you. C'est veut dire avec Branham. That means Branham. Elle-même. Even. Ah. In. Comme on dit à Jérôme, mon gamin, mon gamin. Il dit la divinité n'est plus au ciel. C'est la divinité.
It's unity. When you are in dating, voici Dieu. This God. Voici Jésus. This Jesus. If you don't see that's sin. That's what those churches are looking for. For them, Jesus is a man with a red robe. For them, Jesus is a man with a beard. God confused them. He sent me as Jesus. I tell him all. But we know him. The brother of Joseph. He's born there. His father is We don't look for it with the eyes. We look into it as what Brother said. Me, I'm very proud. Amen. I love brother. That we pray together since 2005. I saw them again. Brother, they still keep the same thing they used to believe before. Brother said, c'est quoi rétrograder? What is backsliding? Rétrograder, c'est lorsque tu n'avances pas. Backsliding is when you don't go forward. La parole de Dieu n'est pas stagnante. The word of God is not stuck in one place. Le frère Branham me dit, the prophet says, si j'ai à vivre encore 100 ans, if I have lived another 100 years, je connaîtrai encore Dieu davantage. I will know God more. Parce que Dieu, il est éternel. Because God is eternal. Donc tu arrêteras de connaître Dieu lorsque tu vas mourir. You will stop knowing God when you die. When you see my life, you will know God. You have to know God. La Bible dit ceci. The Bible says this. Et je vis descendre du ciel. Apocalypse 21. Revelation 21. Je vis descendre du ciel de près de Dieu. La ville sainte, mon micro est parti. And I saw. What a place, my microphone is gone. Because I'm shouting. De près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. And I just saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Amen. Donc, et verset 3, and verse 3, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, and I heard a great voice out of heaven saying, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Behold, the tabernacle of God is with men. Verset 2. Verse 2. On voit descendre du ciel. We see coming from heaven. La nouvelle Jérusalem. The new Jerusalem. Qui s'est préparée comme une épouse. Which prepared itself as the bride. Donc ici l'épouse descend comme une cité. Here the bride is coming down as a city. Voilà les choses de Dieu. This is the things of God. Vous, quand vous entendez cité, when you hear of city, vous pensez que c'est comme Londres. You think it's like London. Mais la Bible nous dit, the Bible says, c'est une épouse, it's a bride, qui s'est préparée pour son époux. That has prepared herself for her husband. Et la Bible continue, and the Bible continues, j'entendais du trône, and I heard a great voice, une forte voix qui disait, I heard a great voice out of heaven saying, voici le tabernacle de Dieu. Behold the tabernacle of God. Donc l'épouse en question, the bride in question, c'était le tabernacle de Dieu. It was, she was the tabernacle qui of God. Avec qui? Who was with who? Qui était avec les hommes? Who was with men? Amen. Amen. Il habitera avec eux. And he dwell with them. Qui? Who? Dieu. God. C'est Dieu qui vient habiter dans son épouse. God who comes to live in her bride. Quand Dieu habite dans son épouse,
épouse. When God lives in his bride, donc tout Dieu est là. All God is there. Quand elle marche, when she walks, c'est lui qui marche. It's him walking. Quand elle touche, when she touches, c'est lui qui touche. It's him touching. Au fait, l'épouse, the bride, c'est rien d'autre que lui. It's nothing else than her. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. He will dwell with them, and they shall be his people. Et Dieu lui-même sera avec eux. And God himself shall be with them. Mais le problème c'est que, and the problem is, qui est Dieu? Who is God? Le frère nous a prêché un message qu'il a étudié, qui est Dieu? The message that he taught us, who is God? Dieu est esprit. God is a spirit. Dieu ce n'est pas un homme. God is not a man. Frère dit que Dieu n'a jamais été un homme. Romain said God has never been a man. Il va plus loin. He goes further. Il dit que, he said, personne n'a vu Dieu. No one has seen God. Et personne ne verra Dieu. And no one will see God. Et personne m'a vu. And no one has seen me. Et moi je vous ai jamais vu. And I've never seen you. On ne s'est jamais vu. We've never met. Vous voyez la maison qui me représente. You see the house that represents me. Mais le véritable moi. By the true me. Vous ne m'avez jamais vu. You've never seen me. Parce que le véritable moi. Because the true me. C'est ça Dieu. Is that's God. Et dans le mystère de la profondeur qui appelle une autre profondeur. In the mystery of the deep of the deep. J'entre en contact avec la divinité. I enter in contact with the deity. Parce que je suis moi-même une divinité. Because I myself a deity. J'entre en contact avec la divinité. I enter in the contact with the deity. C'est ce que nous appelons l'union invisible. That's what we call invisible union. Amen. Amen. C'est une union qui est invisible. It's a union which is invisible. Et vous voulez voir quoi? What you want to see? C'est invisible. It's invisible. Le frère Branham a dit que c'était l'union invisible. Branham a said it's a union, invisible union. En lingala bomoko et mona machate. Yes. Donc c'est-à-dire qu'oublier les yeux. It means forget the eyes. Frère Branham dit que vos cinq sens vous ont été donnés pour contacter la matière. Branham said your five senses were given to you to contact the earth. C'est le frère Branham qui dit. That's Branham. Rien à voir avec Dieu. Nothing to do même with God. Votre esprit, ce n'est pas pour contacter Dieu. Even your spirit is not given to contact God. Voilà pourquoi le frère Branham a dit. That's what Branham said. Il peut être baptisé du Saint-Esprit. He can be baptized with the Holy Spirit. Et aller en enfer. And go to hell. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, because the Holy Spirit, c'est Zoé. It's Zoé. Et Zoé, and Zoé, c'est Dieu. It's God. Si Dieu vient vous joindre au niveau de l'Esprit, if God comes and anoints you in the Spirit, ça c'est le domaine religieux. That's religious domain. La pluie tombe sur les bons et sur les méchants. The rain falls on the right and the wrong and the righteous. Yeah. The righteous. Wicked. The wicked and the righteous. Donc le mystère qui était passé à Mishawak. The mystery was in Mishawaka. Oui. Quand les frères venaient partir là-bas, when Brahman went there, il y avait un qui parlait là. There was one speaking in tongue. Et un qui était prêt. And the other one interpreted. Frère Brahman dit, c'était une parlant langue authentique. Probably it was an authentic speaking in tongue. Mais dans sa vision, in his vision, une personne était une bonne personne. One person was a good person. Mais l'autre était un hypocrite. But the other one was a hypocrite. Mais les deux, but two, ils étaient sous les mêmes véritables Saint-Esprit. He was under a true Holy Spirit. Il a été troublé. He was shocked. Et il a compris. And then he understood. Que la pluie tombe sur le bon et sur le mauvais. That the rain falls on the wicked and the righteous. Donc le fait qu'il tremblait l'église, the fact they were shaking in church, ne fait pas de bon enfant de Dieu. That's not making you a child of God. D'ailleurs, Frère Branham le dit. Branham says, parmi les mystères de ce qu'il retient, around the mystery with ourselves, il y a le mystère du baptême. Vous savez, l'esprit sans sanction. There is a mystery of the baptism of the Holy Spirit without sanction. La personne de Christ œuvra dans une personne. In Paul says the person of Christ working in a person. Amen. Amen. La révélation. The revelation. Qui est ramenée? Which has been brought. Pour nous donner notre véritable position. To give us our right position. Ce n'est pas que lui il est là, nous sommes ici. It's not that he is there, we are here. Non, c'est lui en nous. Amen. He in us. C'est ça l'unité. That's the unity. L'unité d'un seul Dieu dans un peuple. The unity of one God in one, or a God in one people. One people. My. Mais t'as fait quoi, lui? Non, Brahman said. Comment est-ce qu'on y entre? How do we enter in there? Amen. Il y a aucun moyen d'entrer dans l'épouse. There's no, it's not possible to enter into the bride. L'épouse, the bride, doit être toi-même.
has to be your son. Donc chaque mari, that's in every husband, doit savoir que son épouse est lui-même. Has to know that a wife is himself. Amen. Amen. Donc si elle est bien habillée, if she's dressed well, donc c'est moi qui ai bien habillé. That means it's me who's well dressed. Donc si ta femme a mangé, if your wife has eaten, donc c'est toi qui as mangé. That means you who have eaten. Amen. Amen. Donc tu dois veiller à ce qu'elle vive bien. You have to watch her. Dites amen. Amen. C'est pour vous, non? It's for you. Amen. Amen. Donc ça veut dire un mari qui n'aime pas sa femme. It means a husband that doesn't love his wife. Bon, peut-être il n'a pas encore la révélation de qui elle est. Maybe he hasn't got the revelation of. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Ce mystère est grand. This mystery is great. Je l'ai dit par rapport à Christ et son Église. I'm saying according to for Christ and the church. Et la Bible dit, and the Bible says, que Christ est la tête, that Christ is the head, et l'Église est son corps, and the church is his body. Amen. Amen. Si vous me voyez, if she sees me, ma tête, my head, c'est moi. It's me. Mon corps, my body, c'est aussi moi. It's also me. Mais la femme, no, the wife, c'est le corps. She's the body. Et le mari, and the husband, c'est la tête. He's the head. Pourquoi est-ce que Christ est la tête? Why is Christ the head? Christ est la tête parce qu'il est la parole. Christ is the head because he is the word. Amen. Amen. Si vous parlez ma tête, if you wrap my head, je vais commencer à me cogner. I will be knocking on myself. Ma tête et le corps c'est aussi moi. Because even the body is also. Mais c'est au travers de ma tête que je vois. It's through my head that I see. Mais pour donner la vie, but to give life, ma tête ne peut pas donner la vie. My head cannot give life. C'est le corps qui donne la vie. It's the body that gives life. Si vous prenez un arbre, if you take a tree, ce n'est pas le tronc qui donne le fruit. It's not the I don't know. It's not the tree that is. Ce n'est pas l'arbre qui donne la vie. It's not the tree that gives life. Mais ce sont les étapes. But it's the branches. The branches. Oh, les branches. The branches. Et l'arbre. And the tree. And the tree. Tout ça, ça forme l'arbre. All of them form the tree. Mais les fruits c'est au niveau des étapes. But the fruits are around the branches. Donc aujourd'hui, today, si les gens cherchent la vie, if people are looking for life, Christ ne donnera pas la vie aux gens. Christ will never give life to people. Jésus ne peut pas donner la vie aux gens. Jesus cannot give life to people. C'est l'épouse qui donne la vie. It's the bride that gives life. Donc si vous ne voulez pas de l'épouse, if you don't want of bride, vous ne voulez que Christ, you only want Christ. Lui en tant que tête, him as the head, il te dira je ne peux rien pour toi. He will tell you I cannot do anything for you. Si tu veux la vie, if you want life, va voir mon corps. Go and see my body. Parce que le corps là, because that body, c'est toujours lui. It's only him. Frère, c'est ça le mystère de la pyramide. Frère, that's the mystery of the pyramid. C'est Christ qui construisait sa maison. It's Christ building his house. En fait, la pyramide c'est Christ lui-même. The pyramid is Christ himself. Ça a commencé depuis les pieds. Started from the feet. Ça a commencé à monter. Started coming up. Frère, jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans l'âge de l'Odyssée. Frère, il said after we got to the age of l'Odyssée. Il dit il fallait un ministère semblable à Christ. He said he was supposed to have a ministry. A same ministry as Christ, which arrived pour nous servir de coup, to help us be the net, pour nous servir de coup, to help us be the net, afin d'acquérir la tête, so that we can receive the head. Et la tête, and the head, c'est Christ lui-même, is Christ himself, qui vient se compléter, who comes to add himself, pour sceller, to seal, ou bien pour coiffer la pyramide. Or to shape the pyramid. Et quand il vient coiffer la pyramide, when they come to shape the pyramid, le temple est arrivé à la fin. The temple has reached the end. Voilà pourquoi pour me joindre au pasteur pasteur Jacques. To add to what Brother Jacques said. Il a dit que la nuée, he says the cloud, au temps de Salomon, in the time of Salomon, c'était une dédicace. It was a dedication. Aujourd'hui aussi. And today, quand nous arrivons à la fin de la construction du temple de Pousse, when we get to the end of the building, amen, of the temple, là où Dieu place le lieu d'adoration, where God places the place of worship, parce que le lieu d'adoration que Dieu a placé, because the place of worship that God placed, que Dieu a choisi, that God has chosen, c'est le Pousse, is the bride, ce n'est pas Jésus, it's not Jesus. Si vous allez adorer à Jésus, if you go and worship in Jesus, wrong. C'est pas même qui, it's from what I'm saying. Le lieu d'adoration, the place of worship, c'est l'épouse, c'est le bride. Amen. Amen. Parce que lui-même
Jésus est où? Because he himself Jesus, il est lui-même dans l'épouse. He lives himself in the bride. Voilà pourquoi il appelle les gens. That's why he's calling people. C'est sur l'épouse. I'm in the bride. Si vous voulez m'adorer, if you want to worship me, venez ici. Come here. Et en dehors de l'épouse, and outside of the bride, zéro. Voilà. Même si tu es le message, even if you're pointing the message. Être épouse, hein? Be the bride. Ce ne sont pas des slogans. It's not slogan. Frère, je suis épouse. Brother, I'm the bride. Même le diable dit ça. Even the bride, even the devil says that. Amen. Amen. Personne ne peut dire que moi je suis la femme du frère Eric. No one can say I'm the wife of Brother Eric. Même si vous le dites. Even if you say that. C'est facile, calme. C'est facile, calme. Parce que quand l'église va finir, because when the church will go, on ne voit la personne qui va entendre moi dans la voiture. You will see the person that will go with me in the car. Amen. Amen. Mais quand vous venez ici, but when you come here, on ne dit rien. We say that. Le message qui prêche, c'est qui sa femme? The person who preaches, who is his wife? Ne demande même pas. He knows us. Attends. Just wait. À la fin de ça, je vais dire. End of the church. Hallelujah. Amen. À la fin de ça, je vais dire. End of the church. Vous verrez la personne qui ira avec vous. You will see the person that will go with you. Quand vous arrivez à la fin des âges, when we get to the end of the age, we are watching. Les pentecôtistes, nous sommes épouses. We are bride. Les méthodistes, nous sommes épouses. We are bride. À la fin, qui va attendre la fortune? Who will go in the car? Nous voyons les véritables épouses. We see the true bride. Qui entre dans le message de William Branham? That enters in the message of William Branham. C'est ça le message de l'épouse. That's the message of the bride. Là où Dieu a placé le lieu d'adoration. Where God has placed the place of worship. Parce qu'un ange a été envoyé au désert. Because an angel was sent in the wilderness. Pour abolir tous les autres lieux d'adoration. To restore all the others. Place of worship. Lui qui est Malachika. He put Malachi forward. Il est retourné. He came back. Pour rétablir l'autel. To restore the altar. Amen. Le prophète de Baal prie. The prophet of Baal prayed. Les pentecôtistes ont prié. Pentecostals prayed. Les méthodistes ont prié. Methodists prayed. Les gens du message ont prié. People of the message prayed. Amen. Amen. Mais vous êtes les parents du message. You are from which message? Vous êtes le coin du message. Oh, you are the message believers. Mais comment vous avez le même concept que les gens là? How come you have the same concept as those people? Okay. Yeah. Amen. Yeah. Donc, c'est-à-dire que quand tu es le coin du message, this means when you are a message believer, pose la bonne question. Ask your question. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Frère Branham? Why did God ask, sent us Frère Branham? Si Dieu nous a envoyé le frère Branham, if God sent us Frère Branham, pour nous prêcher ce que Marcelo Tounas prêche, to preach about Marcelo Tounas is preaching. J'ai déjà fait la connaissance pour toi. I also want to say that. Donc quand le frère Branham vient, when the brother comes, et il nous prêche toutes les choses différemment. He preaches us things different. Frère Branham dit que c'est ça la chose qui nous sortait du pentecôtisme. Brother, so this is the thing that takes us away from Pentecostals. Parce que quand Moïse est venu, when Moses came, Moïse les a dit, Moses told them, que vous êtes venus ici pour, c'était par rapport à la promesse de Dieu. He came here according to the promise of God. Que mon peuple serait dans l'esclavage. That my people will be in slavery. Mais je vous enverrai un libérateur. But I will send you a deliverer. Et quand le libérateur est venu, when came, son message était, his message was, sortez de l'Égypte. Come out of Egypt. Donc le message de Frère Branham, the message of Branham nous dit sortez du pentecôtisme. Come out from pentecôtisme. C'est quoi le pentecôtisme? What is the pentecôtisme? Enfin, même si nous allons louer le bâtiment de pentecôtisme. But even if we want to hire pentecôtisme, nous allons payer des gens. We're going to pray in there. Ça ne fait pas de pentecôtisme. It doesn't make us pentecôtistes. Les pentecôtistes peuvent venir louer notre salle du message. Pentecôtistes can come and hire our hall. Ils ne seront jamais du message. There will never be a message. Mais le pentecôtisme, but the pentecôtisme, ce sont des concepts. Pentecôtisme is the concepts. Tous les mots qui sont de la Bible, every word in the Bible, comment est-ce que vous le comprenez? How are you understanding it? Entre autres, in the other word, deux personnes seront sur le lit. Two people will be in the one bed. Comment est-ce que vous le comprenez? How do you understand? Entre autres, in the other word, je suis le fils de Dieu. I am the son of God. Comment est-ce que vous le comprenez? How do you understand? Le fils de Dieu, the son of God, ce n'est pas votre chair. It's not your body. Ce n'est pas le same sense. It's not the same sense. Ça c'est le fils de votre papa. Because this is the son of your father. C'est la poussière de la terre. It's the dust of the earth. D'après la rédemption, according to the redemption, il doit de ramener où il vient. He has to be brought away. Ce sont là les concepts de Frère Branham. Amen. Le pentecôtisme, Pentecôtisme, c'est du poison dans l'âme. It's poison in the soul. Et le frère Branham est venu, and the brother came, pour nous ôter, to come to bring us out of it. Amen. Écoutez, listen. Le frère Branham dit, my brother says this. Comment on y entre? How do we enter? Nous ne regardons pas à ce que nous voyons.
Nous regardons à ce que nous ne voyons pas. We don't look at what we see. We look at what we don't see. Amen. Amen. Vous cherchez l'épouse, vous voulez le voir où? You're looking for the bride. Where do you want to see him? Amen. Amen. Mais le frère Joseph là qui travaille, mais c'est lui. But it's just the one who's working with Wangamama. Is that him? Oh, no, c'est pas lui. No, it's not him. I know him. C'est pas mal de Jess. It's about the Jess is that. Mais vous parlez de la chair. You're talking about the flesh. Mais ça, c'est pas lui. That's not him. Amen. Amen. La chair, là, c'est pas lui. That flesh is not him. Nous parlons de l'épouse. We're talking about the bride. Le frère Madame dit. But Madame says. Il dit ceci. He says this. De toute façon, vous le now. Voir ne veut pas dire regarder. To see doesn't mean to look at. Amen. Amen. Si je vous dis, vous connaissez le monsieur tel. If I tell you, you know Mr. So and so. C'est qui encore? Why is he? Non, tu sais, le jour là. You know that man. Il avait une chemise rouge. He had a red shirt. Dit, ah oui, je vois. No. C'est ça, c'est la révélation. You see, that's the revelation. Parce que tu peux regarder. You can look. Sans voir. Without seeing. Parce que les pentecôtistes. Pentecostals. Ils regardent la Bible. They're looking at the Bible. Les autres croient le message. I don't miss it. Ils regardent le message. They're looking at the message of Revelation. Parlez dans la citation. Mais il ne comprend rien. But they don't understand it. My. Pourquoi? Why? Parce qu'il n'est pas épouse. Because it's the not right. Problème. Toi tu ne connais pas ta Bible. You don't know your Bible. Il dit oui c'est vrai. I say, yes it's true. Mais j'en connais l'auteur. But I know the author. Amen. Je n'ai pas besoin de connaître ma Bible. I don't need to understand. To know my Bible. Parce que la lettre tue. Because the letter kills. Mais le donateur. But the giver. C'est celui-là que j'ai besoin. That's the one I need. Amen. Amen. Durant Christmas. Around Christmas. Je peux vous donner la Bible comme cadeau. I can give you the Bible as a present. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes au ciel. That doesn't mean you're in heaven. Ce n'est qu'une Bible. It's only a Bible. C'est un cadeau. It's only a present. Vous irez au ciel. But you will go to heaven. Si vous recevez le donateur lui-même. If you receive the giver himself. The giver, et le donateur. And the giver. Habite dans l'épouse. The giver lives in the bride. Il est l'esprit. He is the bride. C'est un être invisible. It's an invisible nature. Amen. Amen. C'est le mot on dit, mais c'est là. That's what we say. Il n'y a ni juif ni gentil. There's no Jews or Gentile. Quand tous. When all. Sont en Jésus de Galilée. When they are all in Jesus of Galilee. No. Quand tous. When all. Sont en Christ. Are in Christ. Donc Christ, c'est le royaume. Christ is a kingdom. Yeah. Et comment on y entre? How do we enter? Les frères Branham dit. Branham dit. Les mots voir veut dire comprendre. Amen. Jésus a dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il peut voir le royaume de Dieu. Amen. J'aime quand les frères Branham disent ça. The word see means to understand. En d'autres termes. In other words. Voilà, quand il dit ça. When he says it. Donc ce que nous sommes en retenir. Ce que nous avons retenu, what we have to remember, c'est ça. Is this, il dit en d'autres termes. I don't know. Mais dans ce qui suit là, ça donne l'explication à ce qu'il avait dit. It gives the explanation of what. Parce que dans notre message, vous verrez que les frères Branham parlent de ça et puis s'arrête. You see, Branham speaking of this. Mais ici, but here, en d'autres termes, other word, il ne peut comprendre le royaume de Dieu. Avoir la nouvelle naissance. He cannot see the kingdom of. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? What's the new birth? La nouvelle naissance. The new birth. Le frère va nous dire que c'est une condescendance. Bonhomme même is a condescendance. A condescendance. C'est-à-dire que Dieu, it means God, qui condescend lui-même, who sends himself, livre à son peuple, living to in his people, dans son épouse, in his bride. C'est la chose qui fait que l'épouse soit un avec l'épouse. That's what makes the bride to be one with the bridegroom. Amen. Amen. C'est ça le mystère épouse. That's the mystery bride. Personne ne peut comprendre. No one can understand. Sans la nouvelle naissance. Without the new birth. Parce que la nouvelle naissance, the new birth, c'est Dieu lui-même dans l'homme, is God himself in the man, qui te donne la capacité de saisir Dieu. Who gives you the ability to catch God? Amen. Amen. Pour comprendre le langage du chef, tu dois être un chef. To understand the way, the language of a sheep, you need to be a sheep. Je parle avec le frère Lulu. I was speaking for Lulu. Lui, c'est un agronome. He's an agronome. Il me dit que, est-ce que tu sais que les arbres communiquent?
He said, you know that the trees communicate. Je dis, ah, frère, là, tu exagères. Ah, ça, il dit, je t'ai dit, frère, les arbres que tu vois. He said, you see the trees there. Ils communiquent. They communique. Les arbres parlent. The trees talks. Ils se parlent. They talks among them. Il dit qu'il y avait un arbre. He says, there was one tree. Qui était visité par les insectes. Who was visited by insects. Et l'arbre a lancé un message. And that tree gave a message to other trees. Et les arbres ont produit un liquide amer. And those trees produced a very bitter liquid. Mais quand les insectes sont venus là, and when those insects got there, ils ne pouvaient pas manger. They couldn't eat. Et ils sont fuis. And they went away. Il m'a dit que les arbres communiquent. He said the trees communicate. Mais moi, en tant qu'humain, me as a human, je comprends ça comment? How will I? Pour comprendre ça, to understand, je dois d'abord devenir un arbre. I have to be a tree. Donc, pour comprendre Dieu, to understand God, tu dois d'abord devenir un Dieu. You have to be a tree. C'est pourquoi le message de Frère Branham, ce n'est pas une affaire des églises. The mission of Branham is not about churches. Parce que l'église est remplie des humains. Because church is full of humans. Mais nous cherchons des dieux. But we're looking for God. Parce que le message est venu faire de nous des dieux. Because the mission is not about coming as God. Si toi tu penses que Dieu c'est seulement Jésus, if you think God is only Jesus, c'est ça l'échec. That's c'est ça l'échec. That's failure. Tu peux aller à l'église 20 ans et ça. You can go to church 20 years in the message. Si tu ne comprends pas qui tu es, if you don't understand who you are, c'est ça le péché. That's sin. Enfin, quand vous attendez les chiens aboyer, when you hear the dog or the dog barking, quand les chiens disent woof, when the dog is saying woof, vous attendez c'est quoi woof? You want to see him? You're going to hear. Il y a un woof là, but in that woof, il y a un message. There's a message. Vous pensez que les chiens disent seulement la même chose? You think the dog is saying the same thing? Il change. No, they change. C'est vous qui pensez que c'est woof woof. You are the one thinking it's only woof woof. Et les chiens aussi. And the dogs. Et aussi c'est top. And also they also. Mais les humains qu'est-ce qu'ils disent? He said, but this human, what are they saying? Pour eux, ils pensent que nous disons wow. For them, they think you were just saying wow. Amen. Donc il faut entrer dans leur monde. You have to enter in their world to understand. Il was in Germany. Il a entendu un chien aboyer en allemand. He heard a dog barking in Germany. Donc le chien est en train d'aboyer en allemand. The dog is barking in Germany. Oh, nous voyons les chiens, tous les chiens, c'est wouh wouh wouh. For us, we only know the dogs on barking. Même les chiens, even the dog, ils aboient selon les langues de leur pays. They bark according to the language of their country. Donc les chiens à qui? Le chien à Kinshasa. The dog in Kinshasa. A quoi mon animal? The dogs bought in Swahili. It's in the street. And so, même les chiens en France, ils parlent français. C'est en français. Vous comprenez. Bon, ok. Je voulais simplement dire que vous ne comprendrez jamais Dieu. You will not understand God. Si vous ne devenez pas Dieu vous-même. Et vous devenez Dieu au travers de la nouvelle naissance. Thank God through the new birth. Et cette nouvelle naissance, and that new birth, c'est par prédestination. It's by predestination. C'est pourquoi le frère Branham a dit that's what Branham says, que le sixième sens dans l'homme, man, c'est Dieu lui-même. It's God himself. Et il n'y a aucun moyen pour nous. There's no way for us de comprendre Dieu, to understand God, si on n'a pas la divinité en nous. If we don't have the deity in us. C'est-à-dire que l'auteur de cette Bible, the author of this Bible, pourquoi on appelle ça la Bible? What do you call it Bible? Par la parole de Dieu. The word of God. Parce qu'il y avait des gens comme Moïse. Because there were people like Moses. Qui était devenu un homme de la parole? Who became himself the word?
On les a mis ici. They put him here. Et on appelle ça la parole de Dieu. We call it the word. Et le frère Madame dit. And my brother says. Que nous aujourd'hui. Us today. Nous sommes plus que Moïse. We are more than Moses. En d'autres termes. In other words. Nous aujourd'hui. Us today. Nous sommes plus que la Bible. We are more than the Bible. Parce que c'est nous maintenant. Because it's us now. Le véritable. The true. Et le frère Madame parle du Dieu du livre. Yes. Brother, I'm talking about the back of the book. Parce que là, ça ne commence pas ici. It doesn't start from here. Ça commence là. It starts from there. Amen. Amen. Ça commence même avant le logos. It even starts before the logos. Parce que le logos aussi a un commencement. Because the logos also had a beginning. Ça vient de là. It comes from there. Ça entre là. It enters there. Ça sort de là. It comes from there. Et ça continue. And it continues. Et nous sommes là. And we are there. Ça tourne là. We are there. On est sorti là. We came out from there. C'est ça que nous sommes. That's how we are. That's how we are. C'est ça. We are more than this. Ah, c'est ça. Ça va là. Amen. That's it. C'est ça que nous sommes. That's what we are. L'épouse, oh, je ne sais pas comment expliquer ça. So the bride, I don't even know how to explain. Je vous comprends. I know you understand. Écoutez le frère. Listen, brother. Le frère dit ceci. My man says this. Le logos. C'est la plénitude des attributs de Dieu. It's the fullness of the attributes of God. Maintenant, si vous voyez le logos, if you see the logos, c'est la forme que Dieu avait utilisée. It's the form that God used pour libérer l'espace, to free the space. Yes, sir. Il s'est confiné. He made himself small dans le logos. In the logos. Et si vous voyez le logos là, and if you see the logos, amen, amen, c'est déplacé, moving. Entrer dans l'épouse, entering the bride, ça veut dire que tout ce qui était Dieu, means everything that was God, ça change maintenant de forme, but changes forms, ça devient vous, it becomes you. Amen. Amen. Donc, tous les logos là, all the logos, dans l'épouse, in the bride, et Dieu n'existe nulle part, God doesn't exist anywhere, dans l'épouse, only in the bride. Frère, si vous reconnaissez ça, brother, if only you. Marcher en vainqueur. Walking as a victor. Amen. Que Dieu bénisse Frère Jesse. May God bless Brother Jesse. Le Frère Jesse a une expérience ici. Brother Jesse had an experience here. On ne parle pas de Dieu simplement en parole. We don't only speak of God by word, but this. On a vu Dieu en acte. We see God in action. Amen. Amen. Quand vous voyez le frère là, when you see the brother there, c'est la manifestation de Dieu. It's a manifestation of God. Donc il est lui-même Dieu. He is himself God. Je me rappelle de son père. I remember his father. Lorsque son fils était malade, when his son was sick, il vient, he comes. Il dit moi je suis le père de cet enfant. The father of this child here. Rien ne lui arrive. Nothing will happen to him. Et j'observais son attitude. And I was observing his attitude. Calme. Peace. Amen. Donc il a saisi le mystère. He understood the mystery. Donc quand vous êtes épouse, if you are the bride, those small sickness, oh cancer, oh cancer, oh sida, oh AIDS, is a malade ni ke ni ke. Those small sickness. Éternel, y'a pas ma pas ma. Parce que toutes les maladies là, those sicknesses, ça se connecte à la chair. Wow. They are connected in the flesh. Et le frère Branham dit, and Branham says, si Dieu ne veut pas que vous puissiez quitter la terre. If God doesn't want you to leave the earth, il n'y a pas assez de démons en enfer pour vous jeter d'ici. Vous savez, il n'y a pas assez de démons en enfer. There's no deep hell pour vous sortir de la terre. To take you out of hell. Et le frère va me dire. And Brother Branham said, si Dieu veut que vous puissiez quitter la terre. And if God wants you to leave the earth, il n'y a pas assez de médicaments dans la pharmacie pour vous donner en vie. Il said, there's no long medication. Donc vous avez. Nous vivons selon Dieu. We live in according to God. Donc le temps déterminé pour moi. We live a time. This is qui a été déterminé pour moi. This was appointed for me. Même si je tombe de l'avion, even if I fall from, si je tombe de l'avion, I will turn myself out of the way. Je ne bougerai pas. I will not move. C'est pourquoi j'ai toujours dit. That's what I always say. Si la femme malade, if the son is sick, j'ai dit, I said. Si c'est la main de Dieu, if it's the hand of God, que son nom soit béni. May his name be blessed. De toute façon, tout le monde va mourir. If it's the hand of God, si ce n'est pas la main de Dieu, if it's not the hand of God, Satan écoute quoi? Satan is it you? Toi la maladie là. You the sickness. Si ce n'est pas la main de Dieu, if it's not the hand of God, maintenant même. Now. Sors de cet enfant. Come out of this child.
Amen. La personne peut encore devenir plus mature. Mais la solution est déjà là. But the solution was already there. Le frère là était déjà guéri. The brother there was already healed. Quand ça s'empirait là. When he was going worse. Moi je dis gloire à Dieu. He was saying glory to God. Il va bien. He's fine. Amen. À un certain moment, ça s'aggrave. And at a certain time, it goes worse. Oh, Dieu était derrière. God was working. Et le médecin regarde comme ça. The doctor was looking. On ne sait pas ce qui s'est passé. We don't know what's happening. Mais nous savons. But we know. Parce que cet enfant est éternel. Because that child is eternal. Son cœur est éternel. His heart is eternal. Il a parlé. He spoke. Frère, c'est notre responsabilité de protéger nos familles. It's our responsibility to protect our family. Moi, j'ai toujours dit. I always say. J'ai dit à ma mère. À son moment. Si je meurs, if I die. Si un enfant meurt dans ma famille. If a child dies. Je ne cherche pas les sorciers dans la famille. Don't look for the wish in the family. Laissez-les tranquilles. Leave them quiet. Parce que moi-même, me myself, je suis plus que sorcier. I'm more than a wish. Si un sorcier vient chez moi, if a wish comes to me, moi je vais le bouffer. I will eat the wish. Amen. Moi, je vais vous faire le sorcier. Plus que sorcier. Amen. Frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Entre les sorciers et Jésus, qui est plus puissant? Who's more powerful? Mais vous allez avoir peur de sorcier. Why are you afraid of the witch? La sorcellerie c'est le plus petit pouvoir. The witchcraft is a very small power. Même un magicien peut vous faire sorcier. Even a magician can eat that witch. Ça marche. Même un magicien peut vous faire sorcier. Even the witch, the magician can eat the witch. Nous, us. Donc les créateurs. The creators. Voilà. Oh, parce que quand Dieu créait. When God was creating. Nous étions lui. We were with him. C'est pourquoi nous parlons d'héritage. Voilà. That's what we speak of, heritage. Donc l'héritage c'est quoi? What's the heritage? Quand vous donne l'héritage. When they give you the heritage. C'est-à-dire accabler le thème. That means they don't, it's not that they offer it. C'est quelque chose qui t'appartient. What's something that belongs to you? Parce que quand ton père travaillait. When your father was working. Toi tu étais à lui. You were in him. Tu as aussi travaillé. You also work. Quand Dieu créait. When God was created. Nous étions à lui. We were in him. Donc moi-même là. Me here. Je suis un créateur. I am a creator. Yes, sir. Amen. Yes, sir. L'univers que vous voyez là. The universe that you see there. C'est moi le créateur. It's me the creator. C'est ça. Et Satan. And Satan. C'est moi qui l'ai créé. C'est me qui l'ai créé. Yes, sir. Là, je suis en train de finir avec le diable. Là, parce que le frère m'a dit, papa, à l'ouverture du septième ciel, opening of the seal, le diable sera sous les pieds. Le septième ennemi, voilà. Sera mis aux pieds. Voilà. We put in your feet. Quand Christ when Christ will come. Voilà. Donc, le septième ciel finit avec l'ennemi. The seventh seal finish with the enemy. La maladie va être là. The sickness will be there. Nous nous détectons déjà ce quoi. We know who is. Parce que le problème c'est lorsque c'est un mystère. The problem is when you see the mystery. Quand tu ne sais pas quoi faire. When you don't know what to do. C'était compliqué dans les âges d'église. It was complicated in the church ages. Mais si c'est le même compliqué pour toi. If it's still complicated for you to. C'est pas problème. It's not a problem. Mais toute la vérité. All the truth. A été divulguée. Was brought. Et toute la révélation. All the revelation. Toute la divinité. All the deity. A été déversé dans le monde. Et le frère m'a dit, ce n'est pas qu'il a vomi. It's not that he vomited. Non. No. Donc c'est Dieu lui-même le tout. It's God himself the whole. C'est quand vous prenez un gobelet d'eau. It's like you take a cup of water. Vous ne versez pas l'eau. You don't pour the water. Vous prenez un eau. You take a water. Et le gobelet. And the cup. Dedans. In there. Amen. C'est ça le coup. That's the right. Elle devait les récipients de Dieu. She become the receiver of God. Amen. Amen. Écoutez, listen. Là vous savez ce qu'est la Trinité. Le grand esprit qui habite dans le Fils, Jésus. Jésus qui habite dans l'Église. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Amen. Que le Père est en moi et que je suis en vous. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus. Là, tout le monde dit Amen. Amen. Même les pentecôtistes disent Amen. Donc, si, écoute frère, listen, frère.
Si la divinité demeure simplement Jésus, if it is only in Jesus, donc c'est que vous rendez nul le travail du calvaire. That means you're making the work of Calvary. L'objectif du calvaire. The objective, the purpose of the calvaire. C'est que nous puissions devenir des dieux. It was therefore us to become gods. Au fait, on doit aller au-delà de l'église. We have to go over the church. Là, on n'est pas dans la religion. They were not religion. Voilà pourquoi. That's why. Je ne crois pas à l'écuménisme. I don't believe in ecumenism. C'est mélangé avec les pentecôtistes. Mix it together with pentecôtistes. Non. Non. Frère, c'est la révélation. Frère, c'est la révélation. Quand Jonas était dans le bateau. When Jonas was in a boat. Quand il y avait la tempête. When there was a tempête. Les gens ont commencé à prier. People started to pray. Pray. Prier. Pray. Jonas le regarde. Jonas was looking at him. Lui, il avait le secret. He had a secret. Calme. He was calm. Jonas savait que ces gens-là. Jonas knew those people. Même s'il prie comment, even if they pray, les bateaux là finiraient par aller descendre sous les eaux. The boat would go under the water. Ils ont prié. Jonas vient. Jonas, come. Calmement. Come. Parce que la personne qui a la révélation est calme. Because the person who has revelation, il est posé. Is calm. Joseph vient. Joseph. Et pardon, Jonas. Jonas, come. Il est ami. Friends. Arrêtez de prier. Stop. Il est pas de Satan. See, you're saying. Nous sommes en train de prier. We are praying. Il me dérange. You're disturbing us. Arrêtez de prier. Stop praying. Oh, mais c'est quoi? Arrêtez d'abord. Stop praying. Quoi? Mais toi, tu ne peux pas prier. Tu vois qu'on a beaucoup de problèmes. Tu sais, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. There's no problem. Le problème, c'est quoi? The problem is me. Oh. Tu veux dire quoi? C'est what? Mais dis, tout ce que vous voyez là. All that you're seeing there. C'est moi le problème. It's me the problem. Oh. Je vous donne la solution. I give you the solution. Ah, c'est quoi la solution? What's the solution? Comment est-ce qu'on doit prier? How on fait combien de jeunes? How many? Il n'y a pas de fasting. There's no fasting. Il n'y a pas de prière. There's no prayer. Mais c'est quoi la solution? What's the solution? Il dit, prenez-moi. Take me. Jetez-moi dans l'eau. Throw me in the water. C'est une fausse doctrine. This is a false doctrine. Nous sommes en train de prier. We are praying. Il dit, arrêtez de prier. Stop praying. Acceptez ma fausse doctrine là. Accept ma fausse doctrine. Venez pas moi. Take me. Jette-moi dans l'eau. Throw me in the water. Bon. Mm-hmm. Ok. Right. On le prend. On le jette dans l'eau. Throw in the water. Calme. Il avait la révélation. He had a revelation. Quand vous priez sans révélation, when you pray without revelation, c'est des bruits inutiles. It's noise. You're making noise for nothing. Amen. Amen. Vous allez amener Dieu à accomplir la volonté permissive. You will make God fulfilling a permissive will. Parce que Balaam aussi a prié. Because Balaam also prayed. Il prie contre, il faisait le contraire de la parole. He was doing the contrary of the word. Dieu a déjà dit. God already said. Ne maudissez pas les enfants d'Israël. Don't curse the children of Israel. Mais lui, il va faire la prière. But he goes to pray. Les enfants d'Israël. He curse the children of Israel. Mais ça, c'est une fausse prière. That's a false prayer. Donc, quand Dieu a pris Joseph. When God took Joseph. Déjà depuis Moïse, depuis Abraham. Since Abraham. Que le peuple entrait dans l'esclavage. That the people will enter into slavery. Donc cela devait passer par Joseph. That we were supposed to go through Joseph. Donc les frères de Joseph ont fait une bonne chose. The brothers of Joseph did a good thing. Amen. Oui, il était bien. It was good. Même si Joseph priait. Even if Joseph prayed. Ça devait être comme ça. That's how it was supposed to be. Donc la vie et l'homme. The last man life. Ça a été déjà tracé. It was already. Ça a été déjà programmé. It was already programmed. Depuis la naissance. From the birth. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. All the way when you leave the earth. C'est déjà programmé. It's already programmed. Et d'ailleurs, c'est déjà chanté. There's a bird on the same. C'est un programme bien tracé par Dieu. I have a world program. Aucun démon de l'enfer. No demon from hell. Ne peut le modifier. Can modify it. C'est déjà tracé. It's already. Mais vous inquiétez pour moi. You want to worry about. Mais vous allez attraper. Les mots étaient brouillés. You catch a headache for nothing. Les gens commencent à prendre les médicaments pour la tension pour rien. People start taking medication for blood pressure for nothing. Donc ça dit quand ça va mal là. When it goes bad then. C'est que ça va bien. That means it's good. Et Joseph. And Joseph. Lorsqu'il a été trahi par ses frères. When he was betrayed by his brothers. C'était la voie prouvée par Dieu. It was a voice. The way provided by God. Pour devenir la deuxième personnalité de Jésus. To become the second person in Egypt. Et Dieu avait déjà ce plan là. And God already had a plan. Et personne ne pouvait le modifier. And no one could have modified it. Mais Joseph en tant qu'enfant de Dieu. Joseph as a child of God.
Quand ses frères venaient vers nous. When his brother came, pardonnez-nous. Forgive us. Pardonnez-nous. Forgive us. On s'est fait du cœur. We need back into Joseph you. Dit, Joseph said, ne vous inquiétez pas. Don't you worry. C'est là qu'il était programmé. That was programmed like that. Parce que si je n'étais pas ici, because if I wasn't here, on allait tous mourir. We were all going to die. Oh, Dieu avait son programme. Oh, God had a program. Il a utilisé l'Égypte. He used Egypt pour nourrir Israël. To feed Israel. Amen. Amen. Donc la révélation, the revelation, est plus importante que la prière. It's more important than the prayer. Vous priez selon la révélation. You pray according to the revelation. Il y avait un jour, there was one day, un enfant qui était en Allemagne. A child was in Germany. Et il était malade. He was sick. On appelle le frère Branham. They called Branham. Le frère Branham voulait partir. Branham wanted to go. Dieu lui dit, God said, n'y va point. Don't go. C'est ma main. It's my hand. Même avant de prier pour quelqu'un. Even before praying for somebody. Prie d'abord. Pray first. Est-ce que c'est la main de Dieu? Is it the hand of God? Ou bien c'est Satan? Or is it Satan? Et le frère Branham reste. Le frère Branham. Il se fait bon âme. Il se fait bon âme. Mais tu es où? Where are you? Mais il va mourir. He's going to die. Le frère Branham faisait ça. Le frère Branham was just doing this. Après le petit est mort. And after that the child will die. Et le frère Branham appela la mère. And Branham called the mom. Pour lui dire que c'était la main de Dieu. It was the hand of God. Je ne pouvais rien faire. I couldn't do anything. C'était la voix pour vous. It was a voice of God. Quand vous connaissez qui vous êtes, when you know who you are, c'est ça l'assurance. That's the assurance. La première chose, the first thing, c'est la révélation. It's the revelation. C'est pourquoi le frère Branham. That's what Branham said. Même les portes de l'enfer, even the doors of hell, ne pourront jamais contre la révélation. Cannot go against the revelation. Mais les portes de l'enfer, the doors of hell, peuvent prévaloir contre la prière. Can go against the word, contre les membres d'église. Against deep members, jamais contre la révélation. Never against the revelation. Parce que la révélation est, because the revelation is, Jésus vivant dans son église. Jesus living in his bride. Écoutez. Listen. Il a déversé en Jésus. He poured into Jesus. Tout le monde a dit amen. Everyone said amen. Écoutez la partie la plus difficile. Listen to that difficult part. Tout ce que Jésus était, all that Jesus was. Il a déversé où? He poured it where? Dans l'église. Into the church. Non, je ne sais que pas le dire. Parce que le mystère c'est que the mystery is l'église, the church, en tant qu'épouse, as the bride of Christ. Amen. Amen. Parce que l'église, because the bride, les appelle à sortir. The call out, or the call out. Mais quand l'église arrive à la destination, when the church gets to destination, elle devient épouse. She becomes the bride. Frère Branham dit, now she's called Mrs. Jesus. Frère Branham said, now she's called Mrs. Jesus. Amen. Écoutez. Now listen. Voilà. There. Moi dans le Père. I in the Father. Le Père en moi. The Father in me. Moi en vous. Me in you. Et vous en moi. And you in me. Voilà le corps. There is the body. Moi en vous. Me in you. Vous en moi. You in me. Moi dans le Père. Me in the Father. Je ne sais pas comment ça se passe. I don't know how it's happening. Mais nous sommes tous en. Because we are all in. Amen. Ah, le un là. The in there. Ce n'est pas qu'on ouvre là. It's not we open there. J'entre. Non. C'est une pensée. It's your mind. Amen. Amen. Donc vous pénétrez la pensée de Dieu. You are entering in the mind of God. C'est ça devenir Dieu. That's voilà. To become God. Parce que toutes les églises là, all the churches there, n'ont pas la pensée de Dieu. Don't have the mind of God. Quand Dieu faisait des choses, when God was doing things, pourquoi est-ce qu'il le faisait? Why was he doing it? Comme j'ai parlé de Joseph. As I spoke of Joseph. Quand Joseph était trahi, when Joseph was betrayed, dans la pensée de Dieu, in the mind of God, c'était pour le sauver. It was to save him. Pour le faire entrer dans l'esclavage. To enter into slavery. Et pourtant Dieu, Jesus, les avait pris. Dieu les avait déjà prêchés au travers de Joseph. God preached them to Joseph. Quand il montrait les visions à Joseph. When he was saying vision to Joseph, c'était les choses à venir. It was things to come. C'était les choses qui doivent être. It was things that was supposed to be. Mais ils ne comprenaient pas. But they didn't understand. Mais quand Joseph arrive à Egypte, when Joseph came to Egypt, les frères de Joseph, the brothers of Joseph, ne comprenaient toujours pas. Still did not understand. Quand ils ont dit Joseph, when they saw Joseph, ils se sont prosternés. They went down. On t'a fait du tort. They said we hurt you, Joseph. Ils ne comprenaient pas que c'était l'accomplissement des visions. They didn't understand it was the fulfillment of the vision. Mais Joseph comprenait. But Joseph understood. Joseph said, yeah. Et nous maintenant. By us, nous sommes Joseph. We are Joseph. Nous comprenons qui nous sommes. We understand who we are. Amen. Amen.
C'est ça l'épouse. Je vais aller vite. I'll finish soon. Je vais aller vite. I'll go fast. Écoutez ce qu'on a dit. Listen, brother. De la prédication rapture. In the message rapture. C'est en anglais. It's in English. Là, c'est en anglais. Tu veux dire ça? She has to be modeled and made into an image of Christ. Elle doit être modélée et être à l'image de Christ dans l'épouse. Vas-y. And Christ is the word. Christ est la parole. Qui est l'épouse? Who's the parole? La parole. The word. Et la parole, the word. C'est le logos. The word is the logos. Et le logos là, c'était la nuit avec les enfants d'Israël. And the logos was the night with the children of Israel. Et durant la journée, c'était une nuée. And during the day, it was a cloud. Vas-y. And that's the only thing. See, it's in there, in the world. Yeah. There cannot be one thing added. Mm-hmm. It can't be a woman with one hand like a man, mm-hmm. and the other hand like a paw, like a dog. Mm-hmm. It's got to be exactly the word of the Lord. Et bien, être exactement la parole de Dieu. Like he is the word. Comme lui est la parole. The bride is a part of the bridegroom. L'épouse est une partie de l'époux. The woman is part of her husband. Le mari est une partie, la femme est la partie du mari. Because she is taken out of the husband. Parce qu'elle a été prise de son mari. Eve was a part of Adam from his inside. Donc elle était la partie d'Adam venant de l'intérieur. And so it is the bride. C'est pareil. Not taken from the denomination. Elle n'a pas été prise de dénomination. But taken from the person of the word. Elle a été prise du sein de Dieu. For this day. Pour ces jours. Mm. Amen. Amen. C'est ça l'épouse. Voilà. That's the problem. Jésus. Ouais, amen. Je vais aller pour finir. I'm going fast to finish. Écoutez maintenant. Now listen. C'est logos là. That logos. Qui était la plénitude des attributs de Dieu? Which was the fullness of the attributes of God. Qui habitait en Jésus? That lived in Jesus. Quand Jésus est parti. When Jesus left. Amen. Amen. Le frère Branham me dit. Branham says. Quand Jésus disait je m'en vais au Père. When Jesus used to say I go to the Father. Il dit en d'autres termes. In other words. Je redeviens la colonne de feu. I become the pillar of fire. Frère Branham dit et le même Jésus. But when I say, even the same Jesus has come back again dans les disciples. Now, disciples. Le même Jésus, the same Jesus habitait dans Pierre, living in Peter, dans tous les disciples. In all the disciples. Il dit maintenant, he says now, au jour de la Pentecôte, in the day of Pentecôte, cette colonne de feu descendit et se divisa comme cela. It came down and the pillar of fire broke apart like that. Et les lames de feu se posèrent sur chacun d'eux. And the tongue of fire set upon each of them. Non pas leur langue, not their tongue, mais des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. But the tongues of fire set upon each one. Qui? Un groupe élu. Et selected. Choisi. Selected group. Identifié par cette même colonne de feu. Identified by this pillar of fire. Montra que Dieu s'était divisé et entré dans l'homme. Showing that God had separated himself into man. Laissez-vous. Do you get it? Dieu le Logos se divisa et entra dans l'homme. God the Logos separated himself into man. Cette plénitude. This fullness. Cette division. The divide et entra dans l'homme. And entered man. Donc tout ça. All of that. Dans les humains. In humans. Amen. Amen. Donc les Caïn ne comprenaient pas que. Caïn didn't understand that. Que Jésus qui persécutait. That Jesus that was persecuting. Était devenu Pierre. He became Peter. Pendant que Pierre marchait, while Peter was working, c'était Jésus. It was Jesus. Quand ils ont crucifié Jésus, when they crucified Jesus, ils ont fait ça. They did this. Oh, c'est fini. It's finished. Enfin, le Christ peut respirer. Now the church can. Oh, ces messieurs-là, il a apporté des forces d'opinion. He brought force of him. Enfin, on l'a tué. Oh, tuer Jésus, killing Jesus, c'était une fausse affaire. It was a false thing. Si on laissait Jésus, if we leave Jesus. Tous les logos là, that logos, allaient demeurer en lui. We're supposed to dwell in him. Maintenant, quand on l'a tué, when they killed him, les logos là maintenant, now the logos, est devenu plusieurs. Wow. Become more. Ça la loi de la reproduction. Yeah. The law of reproduction. Amen. Amen. Un pierre qui était pur, un
Et Peter, who was afraid, mais il pouvait se tenir devant ces gens-là. Could stand in front of those people. Amen. C'est comme le monsieur qui était paralytique, avec une paralytique devant la porte de la belle, pasteur. Paralytique. It's like that man who was disabled. On est parti chez son père. He goes to his father. Par quelle puissance ton fils était guéri? By what power is your son? Son père avait peur du pasteur. But what I'm saying, the father was afraid of the pastor. He said, I don't know if he's a big boy. You go and ask him, son. When you go to that boy, has that man already met Jesus? Il dit que c'est Jésus là qui m'a guéri. He said Jesus healed me. Il dit non, il est un démon. He is a demon. Il dit je sais pas si c'est un démon. I don't know if it's a demon. Mais ce que je sais, well, I know. J'étais malade, c'est que je suis guéri. Je ne peux pas marcher. Maintenant je marche. Donc la voix c'est la voix là. Donc la voix est chutée. Donc les messieurs avaient compris que c'était du théâtre. J'ai toujours été ici. Vous de la synagogue, vous priez. Ça ne change pas ma situation. Mais un monsieur venu, il peut pour moi, je me suis levé, la démonologie, domaine religieux. Religion domaine. Et le monsieur leur dit, and then they told him, voulez-vous aussi devenir ses disciples? And they want to be. Quitte-la! Il se dit, quand j'ai fait Brahman, je me tiens bien. I feel well. Même si tu as une église de 15 000 membres, il veut me pas de problème. La référence est William Branham. La référence est William Branham. Si le frère Branham dit quelque chose, moi je suis rassuré. Ah, je n'ai pas besoin de grandes églises. Ah, c'est pas mon problème. It's not a problem. Moi mon problème c'est prêcher. My problem is to preach the truth. Voulez-vous devenir son disciple? You want to become his disciple? Alors on va vous chasser des églises. Then we chase you off the church. Or si vous chassez des églises, if they chase you off the church, donc là maintenant c'est la délivrance. There is it's a freedom. Pasteur, oui. Si les églises les rejettent, tu te fais délivrer. Then you are free. C'est ça la délivrance. That's the deliverance. Des masses doivent quitter. Demas has to leave. Regarde, des masses sont toujours là. Demas est toujours là. If he's still there, il doit te quitter. He has to leave. Amen. Amen. Quand Jésus était chassé de synagogue, when Jesus was chased away from, c'était bien pour lui. It was good for him. Quand frère Branham était chassé de c'est là qu'il a eu du succès. That's where he had success. Le frère Branham était là chez les Pentecôtistes. Mais moi, je Pentecôtiste. Les Baptistes prêchent. But preached. Et Dieu dit, celui-là ne comprend rien. God said that one doesn't understand. Lui pense que c'est ça le succès. He thinks that's success. Afrique du Sud, South Africa, beaucoup de gens, millions of people here. Là partout, Phoenix. Des miracles. Miracles. Mais Dieu n'a jamais dit que c'était du succès. God has never said that was success. Quand il arrive maintenant à l'ouverture de son, Dieu lui dit, d'abord c'est la magicienne qui lui dit. Is la magicienne. The magician. L'astrologue. The astrologer. Lui dit, il faut aller à l'ouest. You have to go to the west. C'est là que tu auras du succès. That's where you have the success. Et quand il est parti là-bas, when he went there, aucune église ne voulait le recevoir. No church wanted to receive him. Parce qu'il avait quitté le cap des églises. Because he left the stages of the churches. Le frère Branham devait venir prêcher quelque chose qui n'a jamais été prêché. The frère Branham had to preach something that has never been preached before. Ils ont dit que le frère Branham, il avait bien commencé. He started well. Mais maintenant il s'est fait Dieu. Now he made himself God. Il ne se fait pas Dieu. Il est Dieu. He is God. Un Dieu ne peut pas se faire Dieu. God cannot make himself God. Le Dieu découvre simplement qu'il est Dieu. God will discover that he is God. Amen. Au lieu d'aimer ça, instead of loving, ils ont rejeté le prophète. They rejected the prophet. Quand ils ont rejeté le prophète, when they rejected the prophet, nous les véritables semences, the true seed, nous l'avons reçu. We received it. Amen. Et quand c'est arrivé au Congo, and when it was to Congo, on était tellement imbibé dans le Njambe Malambo. We were too much in Njambe Malambo. On a ramassé le message. We took the message. Avec le concept de Njambe Malambo. With Njambe Malambo concept. Ça fait de nous les Njambe Malambo renouvelés. We knew Njambe Malambo. Avec le concept de Njambe Malambo. Njambe Malambo. Ajouté seulement là. Branham a dit. Branham said. Après quelques temps, on a vu les mêmes dégâts dans le malade. We see the same thing of dans les églises du message. In the message churches. Peut-être pire que ça. Even more than that. Ils ont transporté
la religion dans les messages. Je took religion in the message. Oh, les femmes m'ont dit. But what que je ne suis pas venu créer et commencer les dénominations. I'm not here to start the denomination. Je suis venu pour créer les individus. I came to create individuals. Pour que les gens deviennent de nouvelles créatures en Christ. For people to become the new creation in Christ. Il est venu pour établir une connexion directe. He came to establish a connection, a direct entre l'homme et Dieu. Between man and God. En d'autres termes, in other words, entre l'homme et la parole. Between the man and the word. Amen. Amen. Que la parole soit le poteau d'attache. May the word be the attached. Je vais finir le tout. I'm finished now. Écoutez. Listen. Laissez-vous Dieu le Logos. God the Logos. C'est divisé en toi dans l'homme. Separating himself into man. Dieu n'est pas dans une seule personne. God not in one person. Il est dans son église universelle. He is in the church universal. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit. That's the reason Jesus said. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Works that I do, shall you also more. Je parle à partir de la bouche, parce que c'est que depuis là vous connaissez. The real part. Il dit. Il s'est condensé et confiné dans toute l'église universelle du Dieu vivant. And he confined in the whole universal church. Of the living God. Il s'est condensé. He confined. Et confiné. Il s'est condensé. He bottled and confined in the whole universe. Amen. Donc de la même manière qu'il s'était condensé là. In the same way that he was bottled there. Il a fait la même chose. He did the same thing. Il s'est condensé. He confined himself. Et confiné. And confined himself. Dans l'église. In the church. Ça y est. Je vais m'arrêter dans cette citation. I will finish with this quotation. Dieu n'est pas dans une seule personne, il est dans son église universelle. God is not in one person, he is in the universal church. Ah, ça je vais aller en bas. Dieu s'était commencé à confiner dans un homme, Jésus-Christ. Mais maintenant, il s'est condensé et confiné dans toute l'église universelle de Dieu. Ah, c'est la même situation. Amen. Donc, le même Dieu, le same God, qui vivait là-bas, that was living there, dans l'éternité, in eternity, il s'est condensé. He confined himself. Pour libérer l'espace. To live in the space. Il s'est encore condensé. He confined himself again. Et confiné again. Dans l'homme de Galilée. In the man of Galilée. Quand il s'est promené, il avait toute la divinité. He had the voilà pourquoi il dit. Said, il vous est avantageux que je m'en aille. It's better for you that I go. Amen. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. And I will send you the Holy Spirit. Oh, le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Ce n'est que lui-même. It's him himself. Il est parti. He went. Et il est retourné. And he came back. La colonne de feu. The pillar of fire. Où? Where? Dans les disciples. In the disciples. Donc Jésus était là. Jesus was there. Il a toujours continué. He only continued. Mais il change. But he changed. Et quand il finit avec Jésus, when he finished with Jesus, il fait la même chose. He did the same thing. Il s'est encore confiné. He confined himself. Il s'est condensé. He condensed himself. Mais tout là. All that. Comme ça. Like this. Dans l'épouse. In the bride. Cherchez Jésus où? Now look for Jesus. Where is it? C'est ça le mystère épouse. That's the mystery bride. Donc épouse, the bride, égale, equal, Jésus Christ. Jesus Christ. Adam et Eve c'était des deux êtres physiques. Adam and Eve was two physical. Mais Dieu, my God, c'est un esprit. Is a man. Il vient se rencontrer avec l'épouse. He comes and meets the bride. Tout dans l'épouse. All in the bride. Les temples d'adoration. The worship. Hey. Amen. Quel Seigneur. Dans le message de frère Banamé est très profond. Amen. Il y a tellement de choses. Sinon, on va dormir ici. Je m'arrête là. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a passé.